Amis téléspectateurs de Nord Bénin TV, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Top Santé. La santé avant tout, dit-on. Mais comment maintenir cette santé parfaite? Nous le saurons avec le docteur généraliste Eric Detti, avec qui nous parlerons de l'importance du bilan de santé. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir monsieur. Permettez à nos abonnés de vous connaître. Et moi c'est le docteur Eric Kotipa Detti. Je suis médecin généraliste et praticien hospitalier à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Dites-nous, monsieur Detti, c'est quoi un bilan de santé? Oui, merci beaucoup, monsieur Alpha Allo. Il faut dire qu'un bilan de santé, c'est un ensemble d'investigations plus ou moins complet qui permet d'apprécier l'état de santé d'un individu. Ces examens qu'on fait, ça consiste en quoi? À faire un examen clinique du malade, on l'écoute, ensuite on examine le malade. On va accompagner cela de quelques bilans sanguins, bilan urinaire, bilan dentaire, ophtalmologique et auditif. Donc c'est tout cet ensemble que nous regroupons dans un bilan de santé. Est-il vraiment nécessaire de faire un bilan de santé et pourquoi? Ah oui, monsieur Alpha Allo, il est plus que nécessaire, je vais dire, de faire un bilan de santé. Et cela, tous les ans, dans nos contextes socio-économiques, nous pouvons dire tous les ans, sinon, il faut faire un bilan de santé tous les 3 mois, voire même tous les 6 mois. Mais dans nos contextes socio-économiques, le bilan de santé peut se faire tous les 1 an. Car cela, ce bilan de santé est d'une importance parce qu'il permet de détecter d'éventuelles affections, c'est-à-dire des maladies qui peuvent être génétiques, professionnelles, métaboliques. Quand je dis métabolique, le plus courant, c'est le diabète que nous voyons. Ouais, le diabète, ouais, l'hypertension artérielle et les maladies infectieuses ainsi que les maladies professionnelles. Et ces maladies, pour la plupart du temps, l'individu ignore cela. Donc, voilà l'importance de ce bilan. Merci beaucoup. Dites-nous, qui doit faire un bilan de santé? Ah oui, merci monsieur Alpha Allo. Mais le bilan de santé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Même un enfant, on peut faire un bilan de santé chez un enfant. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un parent décide de faire un bilan de santé à un enfant, c'est peut-être au cours de ce bilan de santé que nous constatons que cet enfant est porteur d'un trait de drépanocytose. Et ça, c'est une maladie génétique, par exemple. Donc, cet enfant, on va le dépister, on constate qu'il est drépanocytaire. Alors, on doit prendre les mesures nécessaires pour pouvoir prévenir les crises vaso-occlusives chez cet enfant-là. Chez l'adulte, n'importe quel adulte, même chez les adolescents également, il peut faire un bilan de santé. Un adolescent peut faire son bilan de santé, on peut constater que, il a des problèmes rénaux, il a un problème cardiaque qui est génétique, qui est constitutionnel. C'est comme ça qu'il est né, dans sa conformation. Vous voyez? Donc, comme ça, on détecte ça tôt et on met en œuvre un certain nombre de choses pour pouvoir éviter le pire. Ensuite, lorsque nous prenons surtout les vieillards, les personnes du troisième âge, le bilan de santé est plus que nécessaire chez eux. Parce que au soir de leur vie, il y a beaucoup d'affections qui commencent par s'installer. Vous allez voir, c'est des gens, ils seront hyper tendus, l'hypertension artérielle, des lombalgies, des mal de dos, les lombosciatiques. Voyez, or, à travers un bilan de santé systématique, on peut déjà détecter ces affections et mettre en branle des mesures de prévention pour éviter le pire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est surtout très, très capital. Donc, vous devez comprendre que tout le monde peut faire un bilan de santé. On n'a pas besoin d'être malade d'abord avant de dire je vais faire un bilan de santé pour voir peut-être comment mon diabète évolue, comment mon hypertension évolue. Non, pas du tout. Lors de vos examens de bilan de santé avec les patients, oui, quelles sont les maladies que vous rencontrez fréquemment? On détecte l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, vous allez voir, il y a le stress du travail et tout, jour et nuit. D'autres, ils ne dorment pas. Même quand ils vont à la maison, ils continuent toujours de travailler. Ils ont toujours peur de ci, de ça, au boulot. Et ils s'oublient eux-mêmes. Mais quand ils se rappellent qu'ils doivent faire un bilan systématique de santé, on arrive à rattraper le train en marche.
on détecte ces affections et on met en place le traitement qu'il faut pour pouvoir l'éviter. Et puis, il y a également le diabète, qui est vraiment un truc, une maladie vraiment très dangereuse. Aujourd'hui, les gens parlent de la maladie de l'aisance, le diabète, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le diabète, c'est une forme de malnutrition. Ouais, et quelqu'un qui travaille beaucoup, il est toujours dans ses activités et tout, il s'oublie généralement. Et il ne peut pas faire un bilan de santé. Mais quand il a l'occasion de le faire, et qu'on détecte le diabète, soit en ce moment, le diabète est déjà avancé, parce qu'un diabétique chronique, qui a son diabète depuis des années, qui ne se fait pas suivre, il aura ce qu'on appelle les micro-angiopathies. Vous voyez, et ces maladies vont attaquer l'œil, le rein, le cœur, beaucoup de choses. Et là, ça peut évoluer vers un stade ultime de l'insuffisance rénale où on ne peut plus récupérer la personne. Soit, ça peut évoluer de façon brutale vers des comas hyperglycémiques, acidocétose diabétique, et l'individu peut en mourir de cela. Ouais, donc, c'est très très important de faire un bilan de santé pour prévenir tout cela. Également, il y a l'insuffisance rénale qui est d'une importance très capitale, qui aujourd'hui tue bon nombre de Béninois. Le gouvernement fait quand même des efforts dans ce sens, mais c'est insuffisant à ce que nous voyons pour pouvoir prendre en charge ces malades-là. Mais l'insuffisance rénale, le plus grave dans cette histoire, c'est que quand ça s'installe, il n'y a pas de signe annonciateur. C'est quand ça devient grave qu'on le constate. Et pour cela, il faut faire un bilan de santé, le bilan rénal qui est très très important. Vu les immenses avantages que procure le bilan de santé, oui. Que conseillez-vous aux personnes qui taillent peu d'importance à cela? Merci beaucoup. Avec tout ce que je viens de dire, c'est déjà suffisant pour que les gens comprennent que le bilan de santé, le bilan systématique de santé, soit vraiment quelque chose qu'ils doivent intégrer dans leur vie quotidienne. Ça, parce que c'est très très important aujourd'hui de faire un bilan de santé pour pouvoir prévenir un certain nombre de maladies. C'était le docteur généraliste Eric Odetti avec qui nous avons parlé de l'importance du bilan de santé. Plus tôt serait le meilleur. N'attendez donc pas la maladie avant d'aller vers l'hôpital. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Top Santé. Bonne soirée à tous et à toutes.